On peut voter et tout ça, donc on est tout frais et on a envie de faire plein de choses. Il suffit de voir dans les manifs, généralement c'est des jeunes. C'est peut-être les premiers à les crier, mais c'est peut-être pas les premiers qu'on va écouter. C'est indigne dès qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'on a envie que tout aille bien. C'est cette génération-là dont je fais partie qui est amenée à changer les choses demain en fait. Les étudiants de l'Université de Nantes ont occupé les bâtiments sensibles, notamment pour loger les mineurs isolés. Parce que la ville de Nantes ne s'en occupe pas. Il y a des gens qui ne les acceptent pas du tout, ce qui rend encore plus difficile le fait de s'intégrer. Pour aider, d'abord il faut s'intéresser. Il y a un travail qui est fait par notamment les forces de l'ordre pour chasser les SDF. C'est pas parce qu'ils sont sans papier que des mineurs vont se retrouver à la rue. C'est inacceptable dans un pays de droit comme la France. Je leur donnerai une maison à tous. Qu'ils soient acceptés aussi, parce que c'est peut-être le plus dur. Trouver une solution à la fois durable et le plus rapidement possible. Je leur donnerai un logement, de la nourriture et la réussite dans leurs études. L'éducation est primordiale. Chacun a un cas particulier, il faut les écouter. C'est la base de toute coexistence humaine, c'est tendre la main et être solidaire les uns envers les autres.